Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% au sommaire Retro & Magic sur Chip & Dale Rescue Rangers, la critique de PS14 et The Place to Be, mais d'abord on regarde les news. Avec le Tokyo Game Show, nous n'avions pas encore eu l'occasion de revenir sur les annonces récentes de Valve. Le développeur a décidé de passer à la vitesse supérieure dans sa stratégie qui vise à offrir à son public de joueurs une nouvelle expérience de jeu sur ordinateur, connectée à leur télé dans leur salon. Il y a eu trois annonces. Tout d'abord, SteamOS. Il s'agit d'une distribution Linux conçue pour Steam. Valve vend du rêve. Un OS bientôt téléchargeable, open source, gratuit éternellement selon leur dire sur leur site, système de cloud, cross-platform, possibilité de streamer depuis d'autres machines, on demande à voir. Puis, une machine pour faire tourner ce système. On se souvient de la présentation il y a quelques mois de la machine Piston du constructeur XR3. Mais là, Valve propose une gamme de machines conçues pour le jeu, le salon et Steam. Disponible courant 2014, même si le tout reste un peu vague. Enfin, une manette atypique. Ce n'est pas la première fois qu'un constructeur essaye de faire du buzz autour de son contrôleur. Pour le coup, le design semble se détacher en effet d'un pad classique, avec deux trackpads circulaires à retour de force sur chaque côté de la manette et une surface tactile au centre de celle-ci. De plus, cette manette est prévue pour être modifiée, customisée. Bref, beaucoup de promesses, d'ambitions, et il va être intéressant de voir les prochains mouvements de Valve. Une petite news rapide maintenant concernant l'arrivée sur 3DS de l'un des animés les plus populaires du moment. Devant son succès incontestable, Shingeki no Kyojin, connu chez nous sous le nom L'Attaque des Titans, n'aura pas mis longtemps à se voir adapté en jeu vidéo. Ce titre est définitivement orienté action, à l'image de ses phases de combat où l'on virevolte entre les bâtiments, aidé de son dispositif de manœuvre tridimensionnel. Ici, le joueur pourra se créer son personnage et charcler du titan seul ou en multijoueur jusqu'à 4. Prévu pour décembre 2013 au Japon, on attend maintenant une éventuelle date de sortie chez nous. Aujourd'hui, on est à la boutique Uchrony Games pour parler de la sortie toute récente d'un nouveau bloc pour Magic l'Assemblée. Il s'agit du bloc Terros. Alors malheureusement, moi je suis un petit peu à l'ouest sur tout ce qui concerne Magic l'Assemblée. Mais heureusement, au sein du staff de No Life, on a des éléments qui s'y connaissent vraiment bien. Tu as activé ma carte piège. Mais sur quoi reposent tes coudes ? Aujourd'hui, Moguri va affronter Vincent, le chef de cette boutique. Et alors, pendant qu'ils sont en train de s'installer, je vais rappeler très très brièvement les règles de Magic. En gros, t'as tes cartes, tu commences avec tes 20 points de vie. Le but, c'est évidemment de faire perdre ses points de vie à l'autre ou de lui faire épuiser toutes ses cartes. Le truc basique, c'est du voilà, ça joue chacun son tour. C'est à toi de jouer en fait. C'est bien l'isolement poker, mais... Oui, mais bah ouais, bah retire-moi cette casquette de con. Avec les deux petits points blancs, bah, ça. Ok, donc je vais t'attaquer avec mes deux créatures. Très bien, tout cavalier. Ouais. Et la guerrière est bloquée avec la phalange. D'accord. Et donc là, attention. Je sors ma carte du destin. Pour un mana vert. Je joue une leçon des guerriers qui fait que jusqu'à la fin du tour, jusqu'à deux créatures ciblées que je contrôle gagnent. À chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, je pioche une carte. Même mes créatures ayant l'héroïsme, celle-là va gagner deux marqueurs +1/+1 et celle-là va en gagner un. Ça marche. Voilà. C'est ça Magic. Ça semble être le dernier tour, Moguri. A priori, à moins que je sois extrêmement bête ou qu'il se passe un truc totalement imprévu, c'est forcément le dernier tour. Ouais. C'est-à-dire que ça, tu vois, je pose ça, mais c'est même pas forcément utile, une créature en plus. Étant donné qu'il lui reste que deux points de vie, j'attaque avec toutes mes créatures disponibles et il prend beaucoup plus que deux, donc j'ai gagné la partie. Voilà. Et donc, le magasin. Comme vu que
C'est comme ça que ça fonctionne, il me semble. On joue pas au poker. Il me semble que c'est depuis maintes lunes, c'est comme ça que ça se passe à Magic. Si tu bats le propriétaire d'un magasin, tu prends le magasin. Donc, ce qu'on va faire. Alors j'aime bien les vitrines. Ouais. Les vitrines, on va les laisser parce que j'aime bien les figurines. Ouais. Les cupcakes, très bonne idée. Je vais super garder idée. Ça. Cupcakes, super. Ouais, ça c'est bien, ça fait venir les gens. Ça. Voilà. Par contre, on va ramener des trucs genre. On va mettre du jeu vidéo. On va mettre un peu d'alimentation. On va en faire un sorte de supermarché. Merci, c'est gentil. Par contre, je m'y connais pas du tout en gestion. Mais ça, on verra après. C'est pas grave. Merci, Vincent. Grâce à Retro and Magic sur Chip and Dale Rescue Ranger, j'ai découvert que le nom de Tic et Tac, c'est Chip and Dale en anglais, je ne savais pas. J'avoue, le nom anglais est plutôt bien trouvé, ça vient à la fois de Chipmunk, qui veut dire Tamia, c'est le nom de la bestiole, et c'est aussi un hommage à un designer, Thomas Chip and Dale. Et ça me fait penser que dans les années 80-90, on avait tendance à modifier les noms des personnages des animés pour les adapter au public européen. Et donc, je trouve que Tic et Tac, c'était plutôt bien trouvé pour une fois, ça sonne très bien. On va voir d'autres exemples de francisation des noms dans Retro et Magic sur Chip and Dale Rescue Rangers ou Tic et Tac Ranger du risque. Le tout premier Retro and Magic écrit par Régis, une nouvelle recrue dans l'équipe de l'émission. Ne se souvient pas de Tic et Tac, les fameux Rangers du risque. Dessin animé phare du début des années 90, Chip and Dale Rescue Rangers, son nom original, a également connu les joies de l'adaptation vidéoludique. Développé par Capcom et produit par Fujiwara Tokuro, le célèbre créateur de Ghosts and Goblins, ce ne sont pas moins de deux cartouches qui ont vu le jour sur la NES de Nintendo. À l'époque, nombreux étaient les joueurs à se baser sur la jaquette et les photos à l'arrière de la boîte. En faisant confiance aux célèbres rongeurs, nul doute qu'ils ont fait un excellent choix. Comme DuckTales, Chip and Dale prend les traits d'un jeu d'action plateforme où le joueur incarne au choix Tic ou Tac. Katox, leur grand rival, a encore fait des siennes, et il faut mettre fin à ses perfides agissements. Pour mener à bien cette mission, il est possible de parcourir l'aventure en coopération avec un ami, libre au joueur d'être vicieux en attrapant son collègue pour le balancer sur les ennemis. En solo, la progression est un peu plus linéaire, mais s'avère plaisante grâce à un gameplay varié. L'une des originalités du titre, c'est de proposer un univers qui apparaît géant par rapport à la taille des deux héros. Une fleur ou une pomme deviennent immenses à côté des détectives courts sur pattes. L'autre particularité du jeu est de proposer une architecture très réussie des niveaux, que l'on peut faire en partie dans l'ordre souhaité, avec bien souvent plusieurs chemins possibles. Le joueur peut passer par le sol ou utiliser les plateformes surélevées pour atteindre son but. Pour vaincre les ennemis, pas question d'utiliser des armes, on est en présence d'une licence Disney. Non, ici, il est plutôt question d'attraper des objets du décor pour les balancer sur les grands méchants. Certains adversaires sont si futés qu'il faut parfois user de stratégies pour les annihiler, en se cachant par exemple sous une caisse. Il ne reste alors plus qu'à attendre que l'individu vienne se fracasser dans l'objet en question. De temps à autre, les autres membres de l'équipe viennent en renfort. Sans grande surprise, Chip and Dale propose également son lot de bonus de fin de niveau. Rien de tel que de bonnes vieilles étoiles ou des badges pour récupérer une vie et des points supplémentaires. Ces dernières sont loin d'être superflues tant le jeu s'avère hardcore par moments. Les graphismes sont à la fois colorés et épurés et les environnements variés. Rue citadine, laboratoire, saloon, bibliothèque, jardin, casino, il y a de quoi faire. Et il en faut plus pour arrêter les rangers du risque. Les seuls à même de pouvoir les bloquer un instant, outre le bestiaire varié, ce sont les incorrigibles boss. On recense plusieurs de ces affrontements et certains donnent vraiment du fil à retordre. Bien que leurs attaques ne soient pas difficiles à éviter, il faut se méfier de leurs déplacements, parfois très déstabilisants. Musicalement rythmé, grâce à une bande originale signée Fujita Harumi, et prenant à jouer, Chip and Dale est une réussite qui ne pouvait qu'en appeler une autre. Trois ans plus tard, c'est toujours la NES qui accueille Chip and Dale Rescue Rangers 2. L'ennemi juré Katox s'est fait la malle et s'apprête à semer une nouvelle fois la terreur sur la ville. La base du jeu reste la même, mais celle-ci s'est toutefois enrichie. Les badges à récupérer dans les niveaux sont toujours là, et un bonus de fin de niveau inédit fait son apparition. Le joueur se doit d'être précis en envoyant la boule sur les items au bon moment.
Le scénario étoffé donne lieu à de véritables petites scénettes, tandis que le bestiaire et les boss font preuve une nouvelle fois d'une grande variété. Il y a même un passage en wagonnet qui donnera quelques cheveux blancs. Certains ennemis, plus résistants que d'autres, peuvent être assommés et servir ensuite de projectiles. En solo ou à deux, Chip and Dale, deuxième du nom, profite de graphismes plus fins et détaillés, de musiques entraînantes et d'une maniabilité améliorée. A l'inverse de l'original, il n'est plus possible, à part à de rares moments, de choisir l'ordre des niveaux. Mais le jeu est techniquement supérieur dans tous les domaines. Laissant un excellent souvenir, les deux épisodes de Chip and Dale sont la preuve irréfutable que Capcom était l'un des éditeurs les plus doués en matière d'adaptation de dessins animés. Dans les années 80-90, on francisait toujours les noms des personnages. Alors parfois, le nom de quelques personnages principaux était conservé, comme dans Lanma, ou Ken, de Ken le survivant, ou Tono Ken, abréviation de Kenshiro, ou encore Lamu, enfin, ça se prononce Lamu en japonais. Mais le plus souvent, les noms étaient complètement changés avec une retranscription qui avait absolument aucun rapport avec la VO. Par exemple, dans Juliette, je t'aime, maison Ikkoku en japonais, Juliette, elle s'appelle Kyoko. Hugo, c'est Yusaku. Dans Max et compagnie, Kimagole Olenji Lodo, Madoka, c'est devenu Sabrina. Kyosuke, Max. Hikaru, Pamela. On a aussi Nicky Larson, de son vrai nom Saeba Lyo, 100 fois plus classe quand même. Et pareil dans Olive et Tom, Captain Tsubasa. Olivia Hatton, c'est Ozola Tsubasa. Et Thomas Price, Wakabayashi Genzo. Bon, en même temps, c'est pas super facile à prononcer peut-être. Puisqu'on parle de foot, on va regarder la critique de PES 14. Si vous voulez savoir ce que match de l'année veut dire, venez faire un tour à Barcelone ou à Madrid un jour de match. La rivalité a toujours été très forte entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Les rencontres entre ces deux grands d'Espagne ont toujours été les plus attendues de l'année. C'est devenu une constante depuis l'avènement de la génération PS3 Xbox 360. Konami joue la carte de l'alternance. Chaque année, pour répondre aux critiques qui ont accompagné le précédent PES, l'éditeur japonais a pris pour habitude de changer systématiquement d'orientation, alternant sans cesse entre gauche molle et droite décomplexée. Un manque de continuité qui traduit une absence de vision sur le long ou même le moyen terme, et qui explique en partie les difficultés que connaît la licence pour se sortir de la crise. Pas facile en effet de construire quelque chose de solide quand chaque épisode passe son temps à désavouer celui qui l'a précédé. Et c'est parti ! Pour PES 2014, les choses sont légèrement différentes. Il a mal dosé son geste, dommage. Dès le printemps 2012, alors que l'édition 2013 venait tout juste d'être dévoilée, Konami annonçait que de gros bouleversements étaient à venir pour l'année suivante. Non, là, ça ne passera pas. À l'aide d'une déclinaison du Fox Engine, le moteur de Kojima Productions, notamment utilisé pour MGS5, et d'un temps de développement exceptionnellement long, la série se préparait à faire sa révolution. Pour trouver la faille dans la défense, Benzema, la frappe ! Les développeurs s'étant donné les moyens pour repartir sur de bonnes bases, il n'en fallait évidemment pas plus pour piquer la curiosité des fans et les faire rêver à un retour triomphal. Leurs attentes vont-elles être comblées ? Oui ! C'est ce que nous allons voir. Attention ! Le but pour Barcelone ! Ça y est, ce match est vraiment lancé ! Avec l'arrivée du Fox Engine, une des grosses nouveautés de ce PES 2014 est bien évidemment d'ordre visuel. Alors que le rendu de FIFA stagne depuis quelques années maintenant, celui de PES en profite pour s'offrir un vrai coup de jeune. Il suffit de voir le jeu tourner pour comprendre que Konami a pris une petite avance dans le rendu des matchs. Le travail sur l'éclairage y est pour beaucoup, comme celui fourni sur les animations. Les mouvements ne s'enchaînent peut-être pas toujours naturellement, mais pris de manière indépendante, les dribbles, crochets et autres passements de jambes paraissent plus authentiques, moins raides que dans un FIFA. De loin, c'est indéniable, PES 2014 fait bonne figure. Le souci, c'est qu'en repartant de zéro ou presque, il a fait un véritable bond en arrière en termes de modélisation. C'est simple, on se croirait revenu au tout début de la période PS2. À cette époque où la technique permettait enfin de faire quelque chose de ressemblant, mais où seule une petite poignée d'élus bénéficiait de l'attention des graphistes. Car il faut bien le dire, pour quelques Pirlo, Neymar et autres Ribéry bluffants de réalisme,
PES14 nous inflige un nombre incalculable de joueurs complètement anonymes. Ajoutez à cela les faiblesses chroniques de la série, dans l'obtention de licences officielles qui comptent, et vous comprendrez que l'immersion en prend forcément un coup. L'arrivée des ligues argentines, chiliennes ou encore de la Champions League asiatique ravira sans doute une petite poignée de footeux underground. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas ce qu'on attend d'une série aussi prestigieuse. Pas de miracle non plus du côté des modes de jeu, PES 2014 fait dans la nuance et n'apporte rien d'indispensable. C'est au fond des filets! Ils sont récompensés de leurs efforts sur cette égalisation. Quelle force de caractère! Et à mon avis, ils vont pas en rester là. Et coup d'envoi de ce match! Plus que sur le plan graphique, c'est surtout au niveau du gameplay que l'on attendait le nouveau moteur. Et à ce niveau-là, il faut bien dire que les développeurs ne maîtrisent pas encore tous les outils mis à leur disposition. Certes, les contacts fantômes qui polluaient le jeu depuis tant d'années ont disparu, mais on est encore très loin de la précision de l'Impact Engine d'Electronic Arts. Il est sur le côté, il peut tenter un centre! Ici, la lutte physique est assez grossière. Comme à l'époque d'un FIFA 12, elle nous impose des duels d'épaule contre épaule sur 15 bons mètres, sans vraiment nous donner le sentiment de pouvoir influer sur leur issue. Le jeu y perd forcément en réalisme, et c'est d'autant plus vrai que dans le même ordre d'idées, le barycentre Physics, soit le tout nouveau système de gestion de l'inertie, peine lui aussi à convaincre. Le fait de rendre l'efficacité et la vitesse de chaque mouvement dépendant du centre de gravité du joueur est une excellente idée en soi. Silva. Mauvaise intervention, faute là-dessus. FIFA 14 a d'ailleurs travaillé sur un système similaire. Le souci, c'est que le tout est un peu trop prononcé pour être crédible. Pour vous donner une image, PES 2014 donne l'impression de contrôler des équipes de district plus que des sportifs de haut niveau. On sent qu'à force de tenter, ils vont finir par réussir. Quand des piles électriques comme Ribéry ou Neymar n'arrivent pas à déposer un tank comme Alex sur une accélération, c'est qu'il y a un vrai souci. L'IA se révèle également problématique. Plus que les tacles qui ont une grosse tendance à viser les tibias plutôt que le ballon, c'est surtout l'alignement des défenses qui laisse à désirer. En effet, les appels étant un peu plus nombreux que par le passé, il suffira souvent de balancer un ballon en profondeur pour se procurer une situation dangereuse. Ah non, c'est perdu. Alors, si l'on prend la peine de déclencher des appels manuels, on se rend très vite compte que le jeu n'est pas suffisamment carré pour tenir sur la longueur. Dommage, car ces nombreuses carences éclipsent un peu l'excellente circulation de balles. Entre son toucher assez unique et sa physique de balle qui fait des merveilles dans les petits périmètres, PES 2014 offre en effet d'excellentes sensations. Ou le contre, l'arme fatale. Certes, on a parfois l'impression que les scripts viennent polluer artificiellement la précision des passes dans la zone de vérité, que leur dosage ne répond plus à aucune logique. Il est seul, il peut frapper. Mais lorsque l'on se trouve au cœur du jeu, en pleine bataille du milieu de terrain, PES 2014 propose un kiff inégalé. Ce n'est clairement pas suffisant, mais c'est déjà un très bon début. Oh, ils marquent ! Ils égalisent, le match est complètement relancé. Quelle force de caractère ! Et à mon avis, ils vont pas en rester là. Attention, coup franc dangereux à suivre. Alors ça, c'était vraiment inutile. Tout comme le triomphe de FIFA ne s'est pas construit en une saison, le retour de PES attendra encore quelques années avant d'être entériné. Car pendant que la simulation de Konami perdait son temps à se chercher, Electronic Arts a progressé chaque année de manière extrêmement cohérente et sur des domaines bien trop importants pour que les développeurs japonais puissent le rattraper aussi rapidement. Oh, il continue son festival. Oh, c'était un copier-coller de celle qu'ils ont manqué plus tôt. Il faut dire aussi que Konami souffre d'un certain manque de confiance et ne sait pas toujours où aller. Faut plus s'appliquer sur ces ballons. Malgré l'ouverture d'une antenne londonienne, pour se rapprocher des attentes des joueurs occidentaux, on sent que l'éditeur japonais a du mal à définir les domaines sur lesquels il doit plancher en priorité. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. On déplore par exemple le niveau ridicule des gardiens ou la perte de patates dans les frappes. Il frappe au but. Mais c'est surtout le nouveau système de coups de pied arrêté avec ses pointillés qui en témoignent. Tout comme le principe de Heart, ce truc complètement abstrait qui est censé déterminer le degré de motivation d'un joueur. Techniquement c'est superbe, mais ça ne donnera rien. Alors, si l'on peut se permettre, monsieur Konami, avant de vous lancer dans des idées aussi farfelues, on aimerait juste que vous assuriez dans un premier temps le béaba d'un jeu de sport tel qu'on le conçoit dans les années 2010. Parfaitement placé, c'était décisif. Parce qu'on vous le dit sincèrement, simplement avec une IA béton et une gestion affinée des contacts, ce PES aurait pu être grand. Peut-être pas immense, mais suffisamment grand pour nous accompagner toute l'année. L'arbitre siffle, le match est terminé. Ça y est, c'est fait. C'est dans la poche, ils obtiennent cette victoire. Tout a fonctionné parfaitement pour eux aujourd'hui. C'est mérité. Si les
les adaptateurs français changeaient les noms systématiquement, c'est bien sûr, comme je le disais, pour avoir une prononciation plus commode, mais surtout pour essayer de maquiller l'origine du dessin animé. À cette époque, l'animation japonaise était tellement mal vue qu'il fallait à tout prix rendre le dessin animé le plus français possible. D'ailleurs, ils n'hésitaient pas à mettre uniquement des noms français au générique, les réalisateurs japonais des animés étaient jamais crédités. Et à partir de la deuxième moitié des années 90, donc à la fin du Club Dorothée, on a commencé à moins franciser les noms des personnages. Les animés étaient achetés et adaptés par des boîtes comme Kaze ou Dybex, qui respectent l'œuvre, comme par exemple dans Evangelion, où tous les noms des personnages ont leur nom d'origine, plus ou moins bien prononcé en français. Par exemple, Rei, ça se prononce Lei, ou Asuka, qui se dit plutôt Asuka, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais c'est pas le cas pour tous les animés de cette époque, comme Pokémon, où les noms des personnages ont encore été francisés, alors qu'il est sorti à peu près en même temps qu'Evangelion. Bon, on peut se dire que la différence entre Evangelion et Pokémon, c'est que Pokémon vise quand même un public plus jeune, et surtout, on a gardé l'adaptation du jeu vidéo qui existait déjà. Et puis aussi, la francisation des noms des Pokémon, bah, c'était obligé pour faire comprendre certains jeux de mots, comme par exemple Nias, ça parle moins que Miaous pour un français. Mais sinon, de nos jours, il me semble qu'on garde le plus souvent le nom original japonais. Ben, c'est vrai que maintenant, l'origine japonaise des œuvres animées n'est plus une honte, au contraire, c'est un argument. Voilà, on va terminer avec The Place to Be. Salut, ça va ? Bienvenue dans The Place to Be. T'es jeune, t'es plein de ressources et tu cherches à mener à bien un projet audiovisuel quelconque, bah si je peux te filer un conseil, je te dirais de pas faire une quête pour te financer. Mais sache que... Alors, pendant que j'essaye de trouver un truc à dire qui n'aurait pas forcément de rapport avec le début de ma phrase, je vais tout de même te filer les endroits où être dans les jours à venir. Mais sache que... Alors, pas faire une quête pour te financer, mais ça chagrait à arrêter le porno. Mais si, ça passe. Condition de ne pas sortir la phrase du contexte. Le dimanche 13 octobre, à Lyon, dans le 7e arrondissement, t'as un vide-grenier qui s'appelle le vide-grenier du geek. C'est un endroit où tu vas pouvoir trouver ou même vendre du jeu vidéo, des cartes, des jeux de société et tout. L'occasion de faire comme les adultes. Tu vas là-bas et tu chines. Comme ça, quand on te demande « qu'est-ce que t'as fait ce week-end ?», tu dis « j'ai chiné ». C'est toujours plus classe que de dire « j'ai joué à GTA V avec le même slip pendant 2 jours ». Le week-end du 12 et 13 octobre à Metz, t'as la convention épique, la convention geek et ludique, avec les jeux de rôle, les jeux de société, les théâtres d'improvisation, les soirées enquêtes, bref, les aventures. Par contre, c'est payant. Bah ouais, n'est pas estampillé The Place to Be Free qui veut. À partir du mercredi 9 jusqu'au samedi 12 octobre, t'as la fête de la science proposée par le musée Curie, à Paris donc. Nous on aime la science à nos lives, c'est pour ça que je vous en parle. Et puis au programme, t'auras par exemple un atelier pour mesurer la radioactivité, mais comme en 1898, avec les vrais instruments d'époque et tout, ça tue. Non, enfin je veux dire physiquement ça tue, c'est tu développes une leucémie en 2 secondes. Enfin, dans l'après-midi du dimanche 13 octobre à Paris, tu pourras assister à un concert des musiques de Sakimoto Sensei, qui a fait le déplacement depuis le Japon. Ça se passe au théâtre Adyar et ça sera super cosy, tout en acoustique. T'as besoin que je te rappelle s'il a fait ? Bah, FFT, Resident Silverion, Vagrant Story, FF12, Gradius 5, et plus récemment des jeux Vanillaware comme Muramasa, Odin Sphere ou le Dragon's Crown dont on va parler dans XP. Je veux dire, how about that ? Voilà, c'est tout ce que j'ai pour cette semaine. Comme d'hab, faut pas hésiter à me contacter si d'aventure t'as du plan, parce que moi après j'en parle à la télé. Ciao. Pour faire comprendre certains jeux de mots, par exemple Usopp dans One Piece qui est devenu Pipo dans la version manga. Alors là c'est extrêmement bien trouvé je trouve parce que Uso en japonais ça veut dire mensonge et c'est pas évident de trouver des bons jeux de mots. Il y a aussi Bunny dans Sailor Moon qui a pour nom Usagi en japonais et Usagi ça veut dire lapin donc Bunny pour les versions anglaises c'est bien trouvé. Et voilà, ce 100% est fini pour aujourd'hui, demain ça sera Benoît. Allez ciao. Pika pika ni